Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Et aujourd'hui, on va parler de la Lune. Ouais, enfin, pas spécifiquement en fait, hein. À peine 2 ans après Spoutnik, le premier satellite artificiel mis en orbite par l'humain en 1957 par les ingénieurs de la mère patrie, après qu'ils aient été les premiers à envoyer un animal dans l'espace, la gentille chienne Leïka, dans Spoutnik 2, et après l'envoi de Spoutnik 3, les soviétiques réitèrent en envoyant le premier satellite vers la Lune. Luna 1. Manque de bol, celui-ci passe à presque 2 fois son diamètre, à 5995 km de notre astre nocturne. Donc Luna 1 n'a pas atteint son objectif lunaire. Mais il n'en reste pas moins le premier objet humain à dépasser la ceinture magnétique de Van Allen. Le premier objet humain à atteindre la vitesse de libération et à s'extirper de l'orbite terrestre. Et par la force des choses, le premier objet humain à avoir été mis en orbite autour du Soleil. Bon, ils n'ont pas fait exprès, mais ça compte quand même. Margaret Hamilton. En juillet 2019, Google a rendu hommage à Margaret Hamilton. Margaret, aujourd'hui âgée de 83 ans, travaillait à la NASA lors des balbutiements de l'informatique et de la programmation. Après l'obtention de sa licence de mathématiques, elle rejoint le MIT pour développer des programmes de météorologie pour le professeur Edward Norton. Enfin, pour le professeur Edward Norton Lorenz. Sur de bons vieux ordinateurs LGP30. Edward Norton Lorenz, qui était juste un petit météorologue du MIT, qui a découvert dans les années 60 ce que l'on nomme souvent comme l'effet papillon, avec son attracteur étrange, donnant entre autres une figure fractale en forme de papillon, une petite découverte à la base de la théorie du chaos, qui lui a valu quelques petites distinctions honorifiques. Margaret Hamilton travaille par la suite dans d'autres services du MIT, sur des programmes de détection d'avions, qu'elle développe sur d'énormes ordinateurs géants, ANFSQ7, pendant la guerre froide. Puis enfin, elle rejoint le laboratoire Charles Stark Draper du MIT. Elle devient la responsable de l'équipe de développement des logiciels pour les ordinateurs de bord des missions Apollo. Comme il est impossible d'effectuer un alunissage sans ordinateur... Non, on ne dit pas alunissage ni alunage, mais atterrissage sur la Lune. Bah c'est vachement plus simple comme ça, dis donc. C'est pas ma faute, alunissage, c'est un barbarisme. Peut-être, mais tout le monde comprend très bien le mot alunissage. Ah non, mais je te dis juste comment qu'est-ce qu'il faut bien parler à la France, hein. Après, je m'en fous. Bon, alors, comme il est impossible d'atterrir sur la Lune sans aide informatique, la NASA fait développer par le MIT l'AGC, ou AGC, le Apollo Guidance Computer. Cet ordinateur de 32 kg marqua d'une pierre rouge l'histoire de l'informatique. C'est la toute première machine de son genre, 100% électronique. Avant lui, la plupart des transistors étaient de gros tubes à vide. Et grâce à l'invention des circuits intégrés, les ingénieurs du MIT ont réussi à miniaturiser cet ordinateur pour pouvoir en lancer 2 à chaque tir vers la Lune. Un dans le module de commande et un dans le module lunaire. Ce qui ouvrit la voie à la micro-informatique, faisant passer la taille des ordinateurs de plusieurs tonnes en ceci. Un écran et 20 boutons, 32 kg, 5000 portes logiques NOR, 2 MHz, hey, quand même. 72 kilo-octets de ROM et 4 kilo-octets de RAM. A titre d'exemple, mon ordinateur personnel à moi, Personal Computer, possède 32 Go de RAM. Oh, le crâneur. Soit 8 millions de fois plus de RAM que dans un AGC. Et cela ne m'a pas coûté 200 000 $. 1 500 000 $ d'aujourd'hui. John Pultorac a quant à lui reconstruit seul, en 4 années, une réplique de l'AGC avec des composants d'aujourd'hui. Et ça ne lui a coûté que 2 500 $ pour une machine de 2 MHz. Non mais quel nerd le mec! Le programme, développé en grande partie par Margaret, tenait sur des milliers de pages. Et ça ressemblait à ça. Mais une fois dans l'ordinateur, tapé directement en langage machine, ce dernier ne pesait même pas 72 000 octets pour pouvoir être enregistré sur la ROM. Ouais, 72 000 octets, ça me parle pas vraiment. Eh bien dis-toi que cette petite image pixelisée de 160 pixels de côté, enregistrée au format BMP,
pèse déjà plus de 72 kilooctets. Ah ouais, c'est rien du tout 72 000 octets alors. Et on peut donc encoder l'intégralité du programme de navigation pour atterrir sur la Lune dans une toute petite image de cette taille. 3 minutes avant l'alunissage, le logiciel a failli planter à cause d'une erreur de conception du radar. Ce dernier, pourtant en veille, continuait à saturer l'ordinateur de bord avec trop d'informations, ce qui lui fit déclencher de nombreuses alertes logicielles. Houston, you're looking at our Delta H. That's affirmative. Program alarm. It's 1202. 1202. Give us a reading on the 1202 program alarm. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, we got you. We're going at alarm. Malgré l'anormale surcharge d'informations reçues, et grâce à Margaret, qui inventa et implémenta une ingénieuse méthodologie de programmation, l'ordinateur de bord n'a pas planté et a su prioriser les tâches à effectuer, sans quoi Neil et Buzz auraient dû renoncer à leur mission. Abort! Abort! Fuck off! Pour fêter les 50 ans de l'alunissage, Google a donc rendu hommage en juillet 2019 à Margaret Hamilton. Dans le désert de Mojave, non loin de Las Vegas, en inclinant 107 000 miroirs de l'une de leurs centrales solaires vers la lumière de la Lune pour lui offrir un portrait de 2,6 km². La prochaine fois que vous regarderez la Lune, pensez à Neil et Buzz. Et aussi à Charles et Charles, à Léal, Edgar, David, James, John, Harrison et Eugène. Et aussi aux autres 400 000 personnes, sans qui on n'aurait pas pu poser le pied sur notre astre nocturne. Bonne journée. Bonne soirée. Et bonne nuit. Margaret Hayfield Hamilton. A pioneer in technology, Margaret Hamilton defined new forms of software engineering and helped launch an industry that would forever change human history. Her software architecture led to giant leaps for humankind, writing the code that helped America set foot on the moon. Her love of exploration and innovation are the source code of the American spirit, and her genius has inspired generations to reach for the stars. En pleine science-fiction. L'entreprise a déjà effectué des tests sur le cerveau d'un singe. Thierry, Vivien. Bonjour Thierry et bienvenue sur Geek Concept. Salut Geek Concept. Merci d'accepter notre interview. Avec en fil rouge une histoire principale faite de luttes de clans mafieux, d'amour et d'histoires existentielles. Dis-moi, on va prendre un plus. Il prend pour ton Google Home. Décollage. Trajectoire nominale. Carrure trapue, bourrelet susorbitaire, front fuyant, mâchoire prognatique, vaste cavité nasale, espace rétromolaire, crâne dolichocéphale. Alors est-ce qu'Internet va encore pouvoir continuer à exploser? Toujours plus rapide avec toujours plus de gens connectés, toujours plus de fichiers transférés, d'informations stockées. Nos sociétés vont-elles devenir encore plus dépendantes? Il peut pas faire son travail tout seul? C'est beaucoup demandé quand même. Ouais, ouais, mais quand même ça nous ferait de la pub. Jean-Yves, blues! Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Non, blues. Ah oui, d'accord. La publication scientifique. Quand on veut qu'une expérience ou une théorie soit reconnue par la communauté scientifique, on doit la faire publier sous forme d'étude. Pour mener à bien cette étude, il faut...